L'historien Maxime de Borrego, torturé à mort par l'homme sans visage qui tentait de lui arracher le secret du trésor des Templiers, est mort sans parler. Le bandit échappe de justesse au piège imaginé par Paul de Borrego, le neveu de sa victime, et dont l'appât est constitué par des sceaux supposés contenir sous une forme hermétique le secret du trésor. Blessé au poignet, il ne doit son salut qu'au robot humain fabriqué par le docteur Dutreuil, son complice. Paul de Borrego et Séraphin Beauminon, le détective privé, manquent de peu d'être massacrés. Malgré la surveillance de la police, l'homme sans visage s'empare des sceaux, mais ayant appris qu'il ne s'agit que de faux fabriqués par Martine, l'ami de Paul, il fait assassiner le savant professeur Petri, qui s'est porté garant de leur authenticité. Ses complices déposent un robot humain dans la cave de l'hôtel particulier de feu Maxime de Borrego, où habitent Paul et Martine. Quelques jours plus tôt, l'homme sans visage a assassiné Bernard Trévoux, l'un de ses complices, dont il craignait la trahison, et il a fait jeter son cadavre dans le coffrage du chantier de la Cité du Bonheur, dont il est le promoteur sous l'apparence de Léopold de Baclava, puissant et énigmatique homme d'affaires. Mais le cadavre est découvert. L'enquête met en présence Léopold de Baclava et l'inspecteur Péclet. Péclet constate que Baclava est lui aussi blessé au poignet. Baclava est-il l'homme sans visage? Une comparaison des groupes sanguins pourrait étayer ce soupçon, mais comment faire? Un technicien du laboratoire de la police judiciaire fait remarquer qu'il n'est pas nécessaire de posséder du sang pour connaître un groupe sanguin. Une simple trace de salive sur une cigarette, par exemple, peut suffire. Comme le commissaire Sorbier ne veut pas s'engager dans cette voie, c'est Séraphin Beauminon qui se charge de rapporter la pièce à conviction. Voilà la clé. C'est curieux, je ne suis jamais venu ici auparavant, mais j'ai l'impression que je connais le monsieur qui vient de sortir. Monsieur de Baclava? Ça se pourrait bien que vous ayez eu sa photo sur le journal. Et puis même des fois, on le voit au poste, à la télé. Il demeure au château. Là, vous savez, il habite le château sur le chemin de Machecourt, là. Pff, c'est un grossium. Des tas d'affaires, des constructions, des aciéreries, pff, etc. Oh, quelle vie nous amener. Mais il n'est jamais au château. Oui, oh, il se plaît ici. Il n'en sort pratiquement jamais. Ce qui lui plaît, bah, c'est de faire la belote avec nous, et puis de jouer aux boules. Oh, un type pas fier avec ça. Comme si c'était monsieur tout le monde. Même que des fois, je me demande comment il peut s'arranger pour faire toutes ses affaires. À l'étranger, parfois. Ah, c'est à croire qu'il se coupe en deux. Qu'il se coupe en deux? Bon, façon de parler. Bon, ben venez, je vais vous montrer votre chambre. Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé qu'on ne me dérange pas. Je vous demande pardon, hein, monsieur, mais dans la bibliothèque, il y a le double de monsieur qui insiste pour lui parler. Il dit que c'est très grave. Passez-le-moi, mais que ce soit bref. Bien, monsieur. Parlez. Excusez-moi, monsieur, c'est très, très grave. La police est au village. Comment? C'est-à-dire, ce n'est peut-être pas exactement la police. C'est ce détective privé, Séraphin Beauminon. Il est au village. Il s'est présenté chez Fernand sous une fausse identité. Il s'est présenté en déclarant être géologue. Mais je suis sûr que c'est lui. Je l'ai reconnu d'après ses photographies. Il a pris une chambre. J'aviserai. Amusant. Très amusant. C'est l'inspecteur qui est venu à mon bureau du chantier qui l'a envoyé. Il n'a pas quitté ma main droite des yeux tandis que je parlais. Mes secrétaires ont dû bavarder. C'est bon signe. Cela prouve qu'il a fait part de ses soupçons à ses chefs et qu'ils ne l'ont pas suivi. Sinon, nous aurions ici des policiers officiels au lieu de ce petit détective amateur. Le jeu devient passionnant. Qu'allez-vous faire? Je pense qu'une disparition définitive et sans témoin ne serait pas mal. D'autant plus que je suis persuadé que cette Martine Leduc en sait beaucoup sur ce qui nous intéresse. Ces deux chevaliers servants éliminés, il nous serait facile de lui demander des confidences.
En ce qui concerne Paul de Borrego, j'ai mon idée et nous verrons cela plus tard. Nous allons commencer par Séraphin Bobinon, puisqu'il est venu lui-même se jeter dans la gueule du loup. L'appât qui pourrait attirer ce brave garçon dans le piège pourrait être un bijou appartenant à Martine Leduc. Mission facile, puisque nous avons nos entrées chez Paul de Borrego. Bonjour, Fernand. Bonjour, monsieur de Baclavin. Un petit mar, Fernand, et mes gitanes. Pardon, monsieur. Je suis peut-être indiscret, mais je crois me souvenir que vous avez déclaré hier soir être géologue. Oui, en effet, oui. Excusez-moi, j'ai l'air de vous poser une colle, mais quel genre de pierre est-ce là? J'ai acheté ça à une espèce de bohémienne. C'est du corail. Je vois que vous êtes parfaitement documenté. Je vous en félicite. Vous marquerez ça sur mon compte. D'accord, monsieur de Baclavin. Connaissez-vous notre église, monsieur? Elle est tout à fait charmante. Je vous conseille de la visiter. D'ailleurs, je compte m'y rendre moi-même.
Je peux téléphoner à Paris? Oui, c'est au fond là. Demandez 86, c'est la poste. Très bien. Allô, mademoiselle? Je voudrais Paris, s'il vous plaît. Le 307 82 53. C'est quelquefois long, faut attendre. Ça ne répond pas. Comment ça répond pas? Il y a forcément quelqu'un. Dites-moi, cette église, où est-elle? La première rue à gauche, presque derrière les maisons. Merci bien. Vous avez renoncé à visiter notre église. Vous avez tort. Il y a notamment une vierge bourguignonne du XIVe siècle qui... C'était cette comédie. Ce bracelet est celui de Martine Leduc. Martine Leduc? Je ne comprends pas. Ah, je vois. Vous voulez dire sans doute que ce bracelet a été volé à une personne de votre connaissance par cette bohémienne à qui je l'ai acheté. Je dis bohémienne, mais j'ai tort. Elle n'était certainement pas plus bohémienne que vous ou moi. Arrêtez de faire l'imbécile, hein. Je viens de téléphoner à Martine, ça répond pas. C'est bizarre. Elle devait pas quitter l'appartement. Ce qui est encore plus étrange, c'est que ce bracelet soit entre vos mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur, je vous comprends de moins en moins. J'ai réellement acheté ce bracelet à cette bohémienne, cette vagabonde. Peut-être l'avait-elle volé, je n'en sais rien. Elle m'a fait pitié, elle avait un enfant, un petit bébé dans les bras. Je suis en train de perdre patience, je vous le préviens. Mais je suis sûr que tout ceci est une méprise. Ce bracelet n'est pas celui de cette mademoiselle, comment dites-vous, le duc, que je ne connais pas, il y a une confusion. Tenez. Examinez-le plus attentivement. J'espère que vous ne vous êtes pas cassé une jambe, monsieur Beauminon. Salaud! Allons, monsieur Beauminon, soyez beau joueur. Avouez que la partie était excitante, non? J'aurais pu vous tuer 10 fois depuis que vous êtes entré dans cette grange. Mais j'ai pensé qu'il serait plus amusant de procéder de cette manière. Attends que je retrouve mon revolver, crapule! Je vous en prie, prenez votre temps. Et à propos, permettez-moi de vous donner un conseil. Un ultime conseil. Il y a une usine de broyage tout près de cette grange. Elle est très bruyante et fonctionne jour et nuit. Alors,
Il est inutile de crier ou d'appeler au secours. Personne ne vous entendra. Et cela donne soif de crier. Terriblement soif. Salaud ! Il l'emportera pour le paradis. Le paradis, monsieur Beauminon ? Mais vous y serez bien avant moi. Et je suis certain que vous aurez la bonté d'y intercéder pour moi auprès de qui de droit. Je vous en remercie d'avance. Adieu, monsieur Beauminon. Je suis à l'écoute, monsieur. Vous dormiez? Qu'on m'envoie la voiture où l'on sait, je pars. Pour vous, voici les consignes. Que tout se passe comme d'habitude. Promenade, partie de carte le soir. Mais notez bien ceci. Ce matin, vous avez montré à ce prétendu géologue arrivé hier soir chez Fernand le bracelet hindou acheté à une bohémienne, ainsi que je vous l'ai déjà expliqué. Il vous a déclaré que c'était du corail. Vous lui avez ensuite conseillé de visiter l'église. Vous comptiez vous rendre vous-même pour voir les travaux de réfection. Mais vous avez changé d'avis. Vous êtes rentré au château à travers champs sans rencontrer personne. Vous n'avez pas revu ce géologue depuis que vous avez quitté le café. Vous êtes revenu au château à 10h30. Avertissez les domestiques pour le cas où on leur poserait des questions. Bien compris, monsieur. Je vous trouve depuis quelque temps sans enthousiasme. Je désire que vous quittiez cet air lamentable qui vous est devenu habituel. N'oubliez pas que vous êtes Léopold de Baklava. Le grand Léopold de Baklava. Bien, monsieur. Vous pouvez compter sur moi. Terminé. Mais je m'ennuie terriblement ici, on dirait dans César de Bazan. Je me suis fait avoir comme un bleu, oui. Mais c'est humide ici, moi. Je m'enrhume, moi. Au fond, quand j'y réfléchis, ça aura bientôt plus grande importance. T'as jamais tué personne, toi? Ça, je pourrais toujours te retourner contre moi.
Ma maman serait venue. Je vous remettrai ce bracelet, vous l'avez pris. Et vous déposerez cet objet dans le coffre ancien qui se trouve dans le vestibule. Du matin. C'est ça à faire, moi. Dormir. En attendant quoi? La délivrance. J'ai même pas un bout de papier pour rédiger mes dernières volontés. Dénoncer Baklava aux générations futures. J'aurais bien écrit mon épitaphe. C.J. Séraphin Beaumignon, premier détective de France. Poète, il n'eut pas de renom. Détective, il n'eut pas de chance. Il rêvait d'un trou profond. Il est mort par inadvertance. Qui va là? C'est moi. C'est moi, Paul. Paul, comment tu m'as retrouvé? Un mystérieux coup de téléphone. On m'a signalé ta présence dans cette ferme. Je t'expliquerai. Pour l'instant, il faut d'abord te sortir de là. Rien. Il doit bien y avoir une échelle dans un coin. T'as pas la moindre idée qui t'a envoyé ce coup de fil? Non. Le correspondant m'a seulement signalé que tu n'étais pas ressorti de la ferme. Ma bagnole est disparue. Ainsi, ta disparition n'aurait étonné personne. Oh, saloperie de saloperie, alors. On n'a plus qu'à attendre l'ouverture pour appeler un taxi. C'est moi. Martine, c'est important. Tu es sûre que personne n'est entré ici depuis mon départ? Non, je n'ai pas bougé. Même pas un instant? Puisque je te l'avais promis. Ton bracelet hindou, où est-il? Tu sais bien que je ne le mets jamais quand je dessine. Il doit être dans la chambre. Mais qu'est-ce qui se passe? Le voilà. Tenez, vous pouvez le remettre. Il n'y a que vos empreintes, tous les trois, et les miennes maintenant. Baklava portait des gants. Cette histoire de bracelet, votre sortie miraculeuse de ce trou, c'est un peu rocambolesque. D'abord ce vol, sans aucune trace et sans effraction, dans une maison soigneusement verrouillée de l'intérieur. Mais c'est vrai! Tu ne crois pas? Si, bien sûr. Mais ce n'est pas avec des éléments de ce genre qu'on peut ouvrir une enquête. Dites donc, Beaumignon, à quoi pensiez-vous? À la rime? Hein? Vous deviez être drôlement perturbé.
Ces deux cigarettes proviennent de deux personnes différentes. Quoi ? Ah, aucun doute. L'un des fumeurs est un B négatif, comme l'homme de la salle des ventes, et celui du train de Nice. Mais l'autre fumeur est un A. Même à l'aspect extérieur, on voit bien que ce ne sont pas les mêmes fumeurs. Commissaire ? Vous aurez l'obligeance de mettre tout ça par écrit. Si toutefois le génial Peclet veut bien me tenir au courant de son enquête. Je veux vous voir tous les quatre chez moi, et vite. J'aimerais bien vous parler deux minutes, moi. Je dois reconnaître que Sorbier n'avait pas vraiment tort de se payer notre tête. Il nous a pris pour des petits marrants avec nos deux mégots. Il n'a pas cru un mot de ce qu'on lui a raconté. Je suis sûr de ne pas m'être trompé. Pour le deuxième mégot, celui que tu as ramassé le lendemain, tu as très bien pu te gourer. N'oublie pas que tu étais plutôt ému. Je ne me suis pas trompé. La vérité, je vais vous la dire. Il y a deux baklava. C'est la tour de Nel, Philippe et Gauthier d'Aulnay. C'est pas drôle. Pendant que l'homme sans visage est occupé à ses affaires, Baklava bis se montre à chaque coin du village. Le parfait alibi. Théoriquement, ce que tu avances peut se défendre. Mais en réalité... Tu sais un fait. En ce qui nous concerne, deux baklava ou un seul, du groupe A ou B, c'est du pareil au même. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de baklava du tout. Baklava n'est qu'une simple apparence de l'homme sans visage. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, allez là-bas. Et cette fois, alors là, je vous jure que je vais lui arracher le nez, moi, au baklava, pour voir ce qu'il a dans le ventre. Mais on ne peut pas se permettre, on n'est pas des policiers. Et pourquoi pas? Je suis flic privé. Et j'ai le droit de faire une enquête, non? Et moi alors? Toi, tu restes sagement à la maison et tu t'enfermes tranquillement dans ta chambre jusqu'à ce que nous ayons résolu cette histoire de bracelet. D'accord? Ouh, les vaches. Eh bien, je crois que ce soir, je n'ai pas beaucoup de chance. C'est moi qui suis responsable de notre défaite, monsieur Bossard. Alors, faut dire, vous n'aviez pas de jeu. Puis je ne vous ai pas tellement bien servi, hein. Et 10 de nerf, c'est une sacrée déculottée, hein. Ça sera vous offenser, monsieur de Baklava. 21, 29, 9 et 8, 17, 37, 47, 58... Eh, nous n'avons pas dit notre dernier mot. Nous allons prendre notre revanche. Et j'ai l'impression que cette fois-ci... Vous allez recevoir une sévère correction. 88. Le handicap n'est pas impossible à remonter. Et à votre place, je ne chanterai pas victoire trop tôt. Allez, coupez. Il faut que je rentre. Et moi aussi. Déjà ? Il faut qu'on rentre. Mmh. Au revoir, monsieur de Baklava. Nous resterons sur ma défaite, monsieur. Salut, les gars. Au revoir. Eh bien, il ne me reste plus qu'à aller me coucher, moi aussi. Oh, vous avez bien une minute, monsieur de Baklava. C'est ma tournée. Une petite goutte. De ma bouteille personnelle. Une petite goutte. D'accord. Jamais bu de là comme ça.
C'est Julien du Bourgneuf qui me l'a vendu. Tiens, reniflez-moi ça. Et surtout, pas un mot à ces messieurs des indirects, hein. Allez, à la vôtre, monsieur de Baclava. À votre santé, Fernand. À propos, c'est une gars qui est venu autrefois, là. Celui qui se disait géologue. Oui. Pour moi, ce type-là, on ne m'ôtera pas de l'idée qu'il était venu là pour faire un mauvais coup. Tout ce qu'il m'a raconté sur la voiture qu'on lui avait volée. Vous vous rendez compte, là devant ma porte, et tout son cinéma, taxi qu'il a appelé pour rentrer à Paris avec son copain, son complice pour tout dire. Pff, il prépare un alibi, pas de doute. Ils sont quoi du foiré? Vous ne croyez pas? Je ne sais pas. D'ailleurs, moi, ce type-là, je trouve qu'il a une sale gueule. L'air pas franc. Allez, à la vôtre. Elle est pas mauvaise, hein? Elle est excellente. Mmh. Tout à fait excellente. Voilà. Il faut que je vous dise, c'est exprès qu'ils sont partis. Partis qui? Ben, le géologue et son ami? Non, Bossard et Toureau. Ils m'ont demandé de vous parler. Ils ne pouvaient pas me parler eux-mêmes? Puis il y a les autres. Ministral, Sarrazin, Julien du Bourgneuf, justement. Les Berquins de la ferme des Cotterets. Puis les Berquins du Bas. Et même le vieux Passavant. Et puis encore d'autres. Que me veulent tous ces braves gens? Ben voilà. Ses rapports au père Bourdieu. L'autre jour, on le regardait à la dernière réunion du conseil. Que je te cherche mes lunettes et que je les trouve pas. Et que je mélange mes papiers. Puis tout à coup, il perd le fil de ses idées. Il ne sait plus de quoi on parle. Et pour finir, il s'endort. Pauvre Bourdieu, c'est bien pénible de vieillir. Notez bien qu'on l'estime tous, c'est un brave homme. Il a rendu de grands services à la commune. Et il a fait son temps. Là, on se disait, moi et les autres, et si on proposait la mairie à monsieur de Baclava? Je vous remercie, Fernand. Je suis très touché, mais monsieur Bourdieu est encore maire, que je sache. Je crois qu'il faudrait pas beaucoup le pousser pour qu'il démissionne. Lui-même, il se rend bien compte qu'il est plus comme avant. Et s'il y avait des élections municipales et vous présentiez, je suis certain qu'il n'y aurait personne contre vous. Même pas Tardiveau, les gars du chemin de fer. Et pourtant, ils sont plutôt à gauche. Je vous remercie, Fernand. Je vous remercie du fond du cœur. J'aimerais pouvoir accepter votre proposition. Mais je ne suis qu'un étranger, un homme de la ville. Ce qu'il vous faut à la mairie, c'est un homme d'ici, un paysan. Quelqu'un qui a toujours mené la même vie que tous les paysans du village. Qui comprenne véritablement les problèmes. Mais pour nous tous, vous êtes un homme d'ici, monsieur de Baclava. Et peut-être même plus que si vous y étiez né. Parce qu'il y en a certains, si je voulais, je pourrais en dire. Enfin, passons. Quant à comprendre nos problèmes, depuis le temps que vous causez comme ça avec tout le monde, avec le village, tout simplement, d'homme à homme, je suis bien certain que vous les comprenez, nos problèmes. Alors, c'est oui? Je suis très peiné de vous décevoir, Fernand, mais ce sera non. Allons, monsieur de Baclava. N'insistez pas, Fernand. Votre démarche m'a profondément ému, mais je ne puis accepter. C'est impossible, absolument impossible. Réfléchissez encore. C'est tout réfléchi, Fernand, c'est non. À la vôtre quand même, monsieur de Baclava. À votre santé, Fernand. On aurait dû amener des sandwichs. Attention, le v'là. Voilà, c'est entendu. Hein. Je le baïonne et je l'attire. Et moi, je le ligote. Ok. Thank you.
chérie, qu'est-ce que c'est? Trois heures du matin. J'en connais qui vont se faire engueuler. C'est bientôt fini, ce sera fait. C'est Beau-Minon, commissaire. Je suis avec Paul de Borrego et une surprise. Vous êtes sous ou quoi? C'est très sérieux, monsieur le commissaire. Nous vous apportons la solution de l'affaire de l'homme sans visage. Baklava? Mais vous êtes cinglé? Non, pas Baklava. Pas Baklava, mais Baklavabis. C'est-à-dire Ernest Bourrache. Bourrache. Plus connu, ou plus inconnu pour être exact, sous le nom de Fred Maxime. Au cabaret, au music hall. Imitateur. Et grimé. C'est lui, la seconde cigarette, l'homme du groupe A, l'alibi permanent de monsieur de Baklava. Léopold de Baklava qui est en fait l'homme sans visage. C'est vrai, monsieur le commissaire. Et si vous le permettez, je voudrais faire une déposition. Oui, mais il nous faut faire vite. Bourrache a reçu des ordres. Il doit rester caché au château demain. Cela signifie que Baklava paraîtra à son bureau. Mais s'il apprend l'enlèvement de son sosie avant que vous n'interveniez, il disparaîtra. Mais qu'est-ce qui se passe? Fais-nous du café. Entrez là. Allô, la brigade. Ici, voiture liaison. On a trouvé des armes dans tous les coins. Le commandant a recueilli des témoignages qui font état de souterrains secrets sous le château. On fouille les caves pour en trouver l'entrée. Vous aurez terminé la perquisition, vous reviendrez Paris. Vu? À vos ordres, mon commandant. Et que faisait dans ce dit brigand l'honnête homme que vous êtes? Ben voilà, depuis que l'autoroute passe à 5 km, ben les affaires, c'est plus comme avant, surtout dans ma partie. Là, M. de Baklava m'avait prêté un peu d'argent pour refaire ma toiture. Oh, pas beaucoup! Alors, comme je ne pouvais pas le rembourser, je suis venu pour m'expliquer. Car au café, on est toujours dérangé par les clients, même s'il n'y en a pas beaucoup. Et comme je sais que tous les matins, il aime faire une promenade dans le parc, ben je suis venu. Et les gardiens du château vous ont laissé entrer, comme ça? Ah, pensez non. Je connais tout le monde ici, tous des amis. Enfin, je veux dire, moi je suis honnête, hein. Je sais pas ce qui se passe ici, mais moi je suis très respectueux de la loi, ça vous pouvez demander. Abrégez, je vous prie. J'abrège. Enfin voilà, j'arrive ici. Je vois le château sans dessus dessous, des gens qui couraient, et dès que j'avais jamais vu. Le majordome me dit, monsieur Baklava n'est pas visible, il est trop occupé. Et d'un seul coup, patatras! Des sonneries qui se déclenchent, et puis un cri, alerte, alerte. Et pour finir, ce grand escogriffe de majordome qui me fout un marron. La preuve? Et puis il me fout dans le placard où vous m'avez trouvé enfermé. Ben, voilà. Vous aviez là de drôles d'amis, monsieur Fernand. C'était donc un bandit, ce Baklava. Oh. Pour tout vous dire, moi j'ai toujours trouvé un air pas franc à Baklava. Tenez, pas plus tard qu'hier, il m'a demandé de le faire entrer à la mairie. Et que je fasse démissionner le père Bourdieu. Et que je demande à tout le monde de voter pour lui. Oh, mais je dis, monsieur de Baklava, le suffrage universel, moi je le respecte. La conscience du citoyen, c'est sacré. Comme ça, tout sec que j'ai dit. À notre temps, l'homme n'a plus de moralité. Allô, Lancry, écoute. Allô, ici Péclet. La perquisition au château est concluante. Baklava est dans le coup. À vous de jouer, et vite. D'accord, patron, on y va. Bon, bah allons-y, on prend le guillou qui est devant l'hôtel. D'accord. Police. Toi, tu restes ici, hein. Personne ne rentre, personne ne sort. Au revoir, mon cher. Merci pour le renseignement.
Entrez, je vous attendais. On vient de m'avertir de l'invasion de mon château. Je vous préviens tout de suite. Au moindre geste suspect, je tire. Il n'y aura pas de geste suspect. Je croyais avoir mis tout parfaitement au point. Et ma combinaison s'écroule par la faute d'un lamentable cabotin sans talent que j'ai tiré de la misère. Je suis dégoûté, j'abandonne. Je me rends. Faites votre devoir. Qu'est-ce qu'ils foutent? C'est insensé. L'arrestation de l'homme sans visage, ça vaut bien un communiqué, non? Il y a longtemps que je te promets une croisière, Martine. Lorsque tout sera fini, je reprendrai mon bateau et nous irons jeter cette clé au fond de l'océan, d'où elle n'aurait jamais dû sortir, et à l'endroit le plus profond. J'y vais. Fermez la porte. Vous, Mie et Florent, passez-moi toute la maison au peigne fin. Mais qu'est-ce que ça signifie, commissaire? Venez, j'ai deux mots à vous dire. D'accord, mais... Je vais vous expliquer. Entrez. Oh, mais... Alors, vous l'avez pris? Nous n'avons pris personne. Et de plus, j'ai d'autres nouvelles pour vous, monsieur de Borrego. Votre alibi pour le jour du meurtre de votre oncle ne tient pas. Vous n'allez tout de même pas me dire que... Je dis que nous avons reçu le rapport de la police espagnole. Vous avez quitté votre hôtel de Santander le matin qui a précédé le crime. Et vous êtes reparu le lendemain à 10h et quelques pour payer votre note. Et reprendre votre valise, hein? C'est exact. Alors? Alors ce que j'en pense, c'est que, en combinant les horaires d'avion et en voyageant sous une fausse identité, vous pouviez très bien être à Paris à l'heure du crime, sans que personne ne le sache. Et vous pouviez être de retour le lendemain à 10h, hein? Non, mais ça ne va pas. C'est idiot. Vous aviez un très bon motif. L'héritage. Et peut-être deux. Cette histoire de templiers et de trésors n'a pas été éclaircie. Et si vous continuez, elle ne le sera jamais. Entrez. J'ai trouvé ça dans le coffre ancien qui est dans l'entrée.
Vous avez bien dit que le ciboire ancien qui a disparu au moment du meurtre avait dû être emporté par le meurtrier, hein? Oui. Ne serait-ce pas lui? Ah! Hé, hé! C'est diabolique. Je n'ai pas quitté la ville de Santander. Très bien. Alors, puisque vous y tenez, allons-y, reprenons tout au début. Nous avons tout notre temps. J'écoute. Je suis allé au port, exactement au chantier naval, pour avoir le résultat de l'examen de mon bateau. On m'a dit qu'on ne pourrait me donner une réponse précise sur la durée des réparations que le lendemain matin, car une partie de la membrure avait joué, ce que j'ignorais. Ensuite? Écoutez, je ne connais pas Santander. C'est la première fois de ma vie que j'y mettais les pieds. J'ai traîné toute la journée, j'ai mangé dans des restaurants, mais je ne sais pas comment ils s'appellent. Je ne pouvais pas me douter que c'était si important. Si vous pouvez prouver que vous étiez dans cette ville même une minute après 10 heures du soir, dans ce cas, je vous tiens quitte. Je suis allé au cinéma. Oh, ça c'est classique. Et puis j'ai passé la nuit avec une femme. Mariée, bien entendu, je vois. Et ton sens de l'honneur t'interdit de révéler son nom, bien sûr. Absolument pas. C'était une fille, quoi. Ouais. Et quel est son nom? Rosita. L'adresse? J'en sais rien. C'était une rue près du port. Vous-même, avant d'être policier, vous ne connaissiez sûrement pas l'adresse des filles que vous ramassiez dans la rue. Mais à présent, vous avez l'habitude de travailler avec elles. Et alors là, vous savez les trouver. Modérez vos propos. Votre histoire est bien plus subtile que celle de la femme mariée. Mais elle ne vous mènera pas loin. Comment voulez-vous que je me souvienne du nom des rues? Je ne parle pas l'espagnol. Il est fort probable que je n'ai même pas regardé. Oh, restons calmes, d'accord? Il vaut mieux nous quitter, bons amis. Nous quitter? Alors vous me relâchez? Oh, soyez sérieux. Je repasse votre affaire à l'instruction, ce n'est plus de mon sort. Hélas, il y a beaucoup de présomptions contre vous. Mais rassurez-vous, nous ferons rechercher Rosita. S'il vous plaît, emmenez le suspect. Monsieur de Borrego, je suis désolé pour vous, mais la police espagnole n'a pas encore réussi à vérifier votre alibi. Et d'autre part, le rapport nous signale aussi la découverte de ce ciboire dans un coffre de votre appartement que la police avait déjà fouillé auparavant. C'est gênant, très gênant. Je dirais même que c'est grave. Mais nous avons expliqué que... Je vous en prie, je sais, maître. Je sais. Il s'agit de ce pauvre homme que l'on a opéré du cerveau, de ce zombie qui ouvrait la porte. Cela éclairerait relativement cette absurde histoire du bracelet dérobé. Mais alors, dans ce cas, la question que l'on se pose est de savoir comment ce zombie a réussi à s'introduire dans cette maison à l'insu des habitants. Est-ce que je puis préciser que notre opinion sur ce point est que l'enquête de la police n'a pas été conduite avec toute l'objectivité nécessaire? Il nous apparaît évident que l'on a uniquement cherché à étayer les conclusions que l'on considérait comme juste a priori. Il y a dans le dossier les dépositions de tous les témoins, maître. Justement, aucun de ces témoignages ne m'accable. Je sais, monsieur. Et votre concierge a même fait la déclaration suivante. Monsieur Paul n'aurait jamais pu faire une chose pareille. C'est très gentil de sa part, mais permettez-moi de vous faire observer que vous ne seriez pas le premier malfaiteur à surprendre la bonne foi et la crédulité des honnêtes gens. Et vous le savez, maître, c'est un cas assez courant. Cette ironie, monsieur le juge, me semble déplacée. Bien. Passons à des choses plus sérieuses, maître. Je relève dans le témoignage de la concierge... Je n'ai jamais relâché ma surveillance, c'était beaucoup trop important.
J'étais en faction dès que je voyais sortir M. Paul. Vous pensez, une maison du crime, c'est tout dire. Et dans un autre témoignage, nous notons que Mme Herbert, locataire de l'immeuble, qui de la fenêtre de sa chambre à coucher voit parfaitement la porte et les fenêtres de votre appartement, a déclaré, je cite, « Je pouvais surveiller toute la maison très attentivement ». En fait, ces deux témoins ont déclaré n'avoir jamais vu quoi que ce soit de suspect. Je vous fais grâce du témoignage du concierge, M. Martin, trop confus et même contradictoire à certains moments, pour qu'on en tienne compte. Mais nous comptons bien l'utiliser le moment venu. Bien. Et j'ai aussi une autre déposition de votre amie Martine Leduc, qui était chez vous. Elle a répondu à la question suivante. Êtes-vous certaine de n'avoir jamais laissé ouvertes les fenêtres ou les portes ? Oh, certainement non, je dois avouer que j'avais bien trop peur. En somme, si je comprends bien, vous m'accusez tout bonnement parce que les témoins ont déclaré n'avoir strictement rien vu.